Bonjour à tous, c'est Laurent de la chaîne Drone My Life sur YouTube. Aujourd'hui, on est ici pour tester les DJI Goggles. Alors, à quoi elles servent, les DJI Goggles? C'est tout simplement un moyen de pouvoir regarder en temps réel et en première personne ce que voit la caméra de votre drone. Donc, vous les mettez comme ceci, puis vous pouvez diriger de gauche à droite, en haut, en bas, votre caméra, où il y a encore plein d'autres modes super intéressants. Et aujourd'hui, on est au sommet du Garlaban, qui est en haut de Aubagne, pour tester tout ça. Ici, tout simplement, on allume comme on allume un drone. Vous les mettez sur la tête, comme ça, ça se règle pour n'importe quelle tête et puis pour n'importe quelle position des yeux que vous réglez juste en dessous avec cette molette. La première fois que j'avais essayé les lunettes, je me suis dit c'est compliqué avec tous ces menus et tout ça, mais en fait c'est très instinctif. Ici vous avez un trackpad, si on peut appeler ça comme ça, que vous dirigez avec votre doigt. Là vous entendez à chaque fois les déplacements. Ça vous permet de vous diriger dans différents menus, dans différentes options pour filmer, prendre des photos, etc. et pour planifier votre vol. Quand vous utilisez ces lunettes, c'est très important et c'est obligatoire d'avoir toujours quelqu'un qui puisse voir en temps réel et à vue ce que fait votre drone. Fini de parler, on va tester ça et puis on va montrer ça à Antoine ce que ça fait et puis on va voir ses impressions, ce qu'il en pense. Allez, c'est parti. Antoine met les lunettes, il a le contrôle. Non seulement lui, il a toutes les informations et voit tout ce qui se passe, mais moi aussi, je vois encore tout ce qui se passe avec l'application, avec le téléphone. Allez, go. On va essayer de faire des trucs assez fluides. Parce que c'est ça qui est difficile, parce qu'en fait, les lunettes, c'est plus une expérience qu'une qualité de plan et des plans hyper fluides. Ouais. Ben, ça va être très difficile. Après, vous pouvez changer la sensibilité, etc. C'est plus pour partager un bon moment et une bonne expérience, parce que c'est quand même assez exceptionnel. Mais bon, c'est sympa quand même. Waouh, 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 c'est impossible. C'est trop dur. On est là, on fait ça, on descend. Ah oui, d'accord. Mais tu peux pas regarder vers le haut. C'est hyper stylé ce que je viens de faire, on est d'accord. On est d'accord que c'était hyper classe. Bon ben voilà, c'est tout pour ce test. Franchement, je suis quand même impressionné de tout ce qu'on peut faire avec. Du coup, il y a des prises qu'on ne peut tout simplement pas faire autrement qu'avec ça. Je suis vraiment satisfait, moi. C'est vraiment une expérience. Le truc, c'est que c'est très difficile à exprimer ce qu'on ressent. C'est comme de la réalité virtuelle sur les jeux vidéo, sauf que là, bon, c'est en vrai, c'est votre Mavic Pro et vous êtes dans des paysages quand même assez impressionnants. Donc voilà, c'est un beau joujou, c'est un bel accessoire. Et puis, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut !